Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes le jeudi 21 juin 2018. Avec plaisir, on se retrouve pour une nouvelle journée de football en ce qui a trait à la Coupe du Monde Wissi 2018. Ce jeudi matin, nous allons nous rendre au stade Aïe Samana Arena en Wissi pour la rencontre devant opposer l'Australie face au Danemark dans le groupe C. Avec nous pour cette rencontre de football ô combien importante pour une possible qualification de l'équipe australienne d'une part, mais aussi pour l'équipe du Danemark d'une part, mais aussi pour l'équipe australienne en cas de victoire, histoire de se maintenir en vie dans ce groupe. Ils sont deux, c'est Dominique Foutiner et puis Charlie Téliazar. Dominique, bonjour. Charlie Téliazar, bonjour. Dominique, comment est-ce? Bonjour Jean-Guy Adrien, bonjour Charlie Téliaza et Tchatcho et pour les intimes. Yon gros bonjour à tout un ami sportif à Radio et Télévision Nationale d'Haïti. Déjà, nous souhaitons une bonne journée mondiale 2018 sous antenne Radio et Télévision Nationale d'Haïti. Bonjour Gary, bonjour Dominique. C'est un plaisir pour nous avec nous matin pour un grand match ça va jouer entre Danemark et l'Australie. Voilà, merci Tchatcho. Mesdames et messieurs, avant et d'entrer directement dans le vif du sujet, puisque c'est l'image et les images des deux équipes qui sont au vestiaire, qui vont dans quelques instants fouler la pelouse du stade Samana Arena. Un petit rappel hier, Dominique, en ce qui a trait à cette compétition, la 21e édition, Wissi 2018. Oui, hier a gagné 3 matchs au programme. Tout d'abord, équipe Portugal là, li bat en Maroc 1-0 grâce à Cristiano Ronaldo qui t'a marqué une goal dans match football là. Après nous t'a victoire équipe uruguayenne 1-0 sous équipe Arabie Saoudite là, Luis Suarez c'est buteur dans match là. Et puis Espagne dans l'après-midi, t'a pas gagné Iran 1-0. Allez dire c'est 3 goals seulement qui t'a marqué hier dans occasion match qui t'a gagné pour mondial 2018 là. Alors, coach Elias Tchatcho, pour les intimes, Jean-Dominique Sotil, tout à l'heure, une équipe comme l'Espagne qui joue avec l'Iran, qui j'en comprends, c'est un goal à zéro, malgré toute possession de balle, l'équipe espagnole là, Charlie. Bon, il est très simple, c'est que l'équipe espagnole là, il joue en largeur seulement, et puis il n'y a pas de profondeur. Voilà. Donc, merci Charlie Téliazor. Nous avons tourné tout à l'heure avec l'entraîneur Charlie Téliazor qui est avec nous. Et ce matin, justement, c'est la montée des deux équipes dans le stade Samana Arena. Eh bien, c'est l'Australie qui affrontera l'équipe du Danemark. Eh bien, le Danemark, les coéquipiers de Christian Eriksen, eh bien, vont partir à la quête d'une deuxième victoire puisque dans la première sortie, Dominique, ils ont fait un résultat positif. C'est un match important. Non seulement pour Danemark et pour l'équipe australienne. Danemark qui pral jouer qualification le matin et Australie pral jouer pour rester en vie dans compétition. Yon victoire australienne la prête en vie. Yon victoire Danemark pral synonyme qualification pour les 8e de finale. Ça t'avait dit, nous t'as supposé partir pour yon bon match de football matin là en tant Danois et Australien. Alors faut que nous dit que l'équipe australienne là, monsieur très confiant, yon croit que yon capable gagner. Dominique Mabgade et Rogard et joueur Australien, coach Eliazar, vous sentez que monsieur très concentré sur match football ça et ou même comme entraîneur, leur équipe pour comme ça, ça dit pour vous. Ça veut dire que vous êtes confiant et que vous êtes préparé vraiment pour le match. Le ça, vous êtes capable de prendre un petit souffle. Pour résultat match. Voilà, et maintenant la formation de l'équipe du Danemark avec dans les bûches Marshall, en défense Dalagard, Kijar, Christensen, Larsen, le dossard 17, et puis Schoen et Delaney, et puis Poulsen dans l'entrejeu, un 4-2-3-1, et puis Eriksen, le dossard 10, et puis Sisto, le dossard 23, et puis à la pointe de l'attaque, on retrouvera Jorgensen, la formation de la sélection du Danemark. Alors, Gary, il faut que nous signalions, c'est pour la quatrième confrontation entre deux pays, Danemark et Australie, mais c'est la première confrontation en phase finale de la Coupe du Monde. Sous 7 matchs, alors sous 9 matchs, et Australie joue avec un pays qui sont en Europe, ils ont perdu 7. Serbie en 2010, Australie a gagné 2-1. Ça t'a dit que c'est une seule victoire équipe australienne a fait sur un pays Europe dans affaire Coupe du Monde. Une rencontre qui sera dirigée par l'arbitre espagnol Antonio Miguel Mateu Laros, le directeur de jeu pour ce match entre Australiens et Danois. Et puis c'est échange de fagnons entre les deux capitaines. D'abord, il y a Kijar, le dossard 4, le capitaine de la sélection danoise de football. Et
puis du côté de l'Australie, le capitaine australien répond au nom de, c'est le dossier 15, il répond Jedinak, le dossier 15, le capitaine de cette sélection australienne de football. Et puis tout le monde qui travaille au niveau de l'arbitrage vidéo. Oui, c'est toute une équipe. Avec des Coupes du Monde là, il n'y a pas acteur principal seulement qui sous terrain, mais il y a toute une équipe. Australie va jouer avec Mathieu Ryan dans le goal. Dans la défense, on a joué dans Mark Milligan, Trent Sunbury, Azil Belich, Joshua Risdon et Mil Jedinak. C'est un élément important pour l'équipe australienne puisque il était marqué face à la France en 2010, il était marqué contre Serbie. Ça veut dire c'est un buteur équipe australienne. Gagné Ruby Cruz, Mathieu Lecky, Andrew Nagbaut et Tom Ogich. C'est tout monsieur Sayo qui pral jouer là pour l'équipe australienne. Australie qui sous quatrième participation en phase finale de la Coupe du Monde 74 en 2006, 2010 et puis 2014. Alors faut que nous dit que Australie, j'en nous dit tout à l'heure là, qui voulait rester en vie dans la compétition. Hein. Australie qui pas mauvais devant la France, Tchati Eliaza, qui a joué un gros match. En pile, le monde dit que Australie mérité au moins un nul face à l'équipe la France là et Tchatcho. Bon, Australie mérité un nul, mais qui pas de fait. Et que l'équipe française a été grand temps et besoin de match. Ils ont entré dans le match, ils ont gagné. 2-1 pour, c'était 2-1 pour l'équipe de France lors de cette rencontre de football. Et justement, dans quelques poussières de secondes, ce sera le coup d'envoi de cette rencontre de football grâce à une courtoisie de la présidence ONA, Honda, Megavolt, A-Track, Institution Chrétienne d'Haïti, DGI, EDH, BNC, Euroceram, Top Towers et puis OFATMA, le directeur de jeu Antonio Miguel Mateu Laos, l'arbitre espagnol qui va diriger cette rencontre de football entre Australiens et Danois, mesdames et messieurs. Donc, Charlie Téliazor, rapidement, dispositif équipé, comment ça y est? Alors, c'est le Danemark a commencé avec 4-2-3-1 et c'est 4-1-1. Voilà, 4-4-1-1 pour l'Australie, 4-2-3-1 pour le Danemark. Merci, coach Eliazor. Et déjà, c'était le coup d'envoi, ça a été le coup d'envoi. Et ça va être un coup franc pour l'équipe du Danemark. Charlie Téliazor, moi, Kounia, je me répète en pile, mais Kounia, pas de round d'observation dans le match encore. Non, pas de round d'observation. Mais, il y a les matchs à fait commencer, tout le monde s'en au sous. Oui. Vous avez dit que le match a frais et pas gagné d'espace et puis le match a réellement dû. Voilà, donc c'est pour le coup franc pour l'équipe danoise de football, le coup franc qui va être botté par Eriksen, le 210 danois, et premier coup franc pour cette rencontre, le mur australien, le portier Ryan, le portier de cette équipe de football, Eriksen qui levait et met droite libre, attention le coup franc botté, le coup de tête du défenseur australien, et ce sera le premier corner de cette rencontre, Dominique. Oui, équipe en Danemark là, ou capable de sentir comment il démarrer match en football li, puisque une victoire a synonyme en qualification pour les huitièmes de finale. Eh bien, yo pral prend bonheur là pour capable marquer bien bonheur pour capable gagner match en football. Yo. Alors Danemark, c'est pral pratiquement cinquième participation li dans une phase finale en Coupe du Monde. Très motivé pour cette phase finale Coupe du Monde. Voilà, c'est le corner beauté à la rémoise pour l'équipe danoise. Le centre de l'intérieur du pied droit, le coup de tête. Mais ça ne donne rien. Ballon sorti, remise au 5m50 pour l'équipe australienne avec le portier Ryan. Donc on voit de l'intérieur du pied droit. Donc là, comme ça, ballon joue une trajectoire rentrante là. Charlie Téliazor. C'est pour me dire que ouais, toute équipe qu'on a vu avec un système de en deux temps qu'on a. Oui, oui. Et n'a pas retourné sur ça pour nous faire commentaire sur Charlie Téliazor. Et c'est l'entraîneur et australien. On voit le dégagement, le coup de tête, ballon sorti. C'est pas le rentrée touche pour l'équipe et danoise. Avec le dossier 14, Dalagard, en retrait pour son capitaine Kijar. Kijar qui est contre sur Christensen. Christensen, le dossier 6, il retrouve son capitaine Kijar sur le côté droit maintenant avec Dalagard. Dalagard, qu'est-ce qu'il fait? La passe en profondeur de Sean. En profondeur pour l'équipe danoise. Anticipation de la défense australienne avec Jedinak. Jedinak qui arrive à combiner
Les Australiens qui vont au point à l'offensive, ils tournent sur lui-même. En l'occurrence, Cruz, la passe en retrait de Cruz à destination de Milligan. Milligan qui écarte sur son partenaire, Sainsbury qui écarte sur le côté droit avec Wrightson. Attention, Wrightson, qu'est-ce qu'il fait? Pris au marquage pour deux joueurs de l'équipe du Danemark. Finalement, les Australiens arrivent à conserver le ballon et vont maintenant et continuer à conserver avec son partenaire de la défense, en l'occurrence Milligan. Milligan qui s'appuie sur Beach Milligan et la passe en retrait de Milligan sur son portier Ryan. On retourne le ballon à Ryan, le portier australien. La petite passe, le coup de tête de Jedinak. Les Australiens, anticipation de la défense danoise. La passe en avant. Attention à l'entrée de la phase de réparation. Mais finalement, c'est le Danois Jorgensen qui hérite du ballon. La passe en retrait. Attention, le débordement. Le crochet pour conserver le ballon. Double crochet. Conservation de balle du joueur danois. La passe en retrait pour Eriksen. Eriksen encore en retrait. L'équipe du Danemark qui conserve le ballon dans le camp australien. La passe sur le 219 Schoen pour Kijauer. La longue passe, la relance. Le coup de tête du défenseur australien. Et finalement, ça repart. La contre-attaque pour l'équipe australienne. L'accélération emmenée par l'équipe, le 207. Quelle conservation en pleine extension dans le camp danois. Mais ballon sorti. C'est pas le corner à l'avantage de l'équipe australienne et de l'équipe australienne de football. Justement, on voit en pleine course. Et coach Eliazar, il se fait contrôle orienté pour Kembe ballon. Et en pleine course, Napoel encore. Comment il amortit avec extérieur pied droite là? Avec on aisance. Et c'est ça qui est avec facilité. Mm-hmm. Et puis monsieur mettait ballon. Voilà. C'est pas le corner Dominique, t'as pas juste ton bagage. Non, nous remarquons tout, équipe australienne, non? Eh ben, qui ont une belle équipe football, qui pas baissé les bras, quatre jeux football, même avec Danois. Alors, j'en ai dit au début, nous t'as supposé avoir un bon match à football, puisque l'équipe Danemark a pour aller jouer qualification, ni, et Australie a été en vie dans la compétition. Au cas où il t'a gagné un match à football. Justement, nous avons regardé le coup de tête de l'équipe. Le 207 australien ouais, détente verticale. J'en ai sauté et puis il a fini. Il fait coup de tête. Là, mais ballon est passé au-dessus de la barre transversale de l'équipe du Danemark. Et ce sont les Danois qui vont repartir à l'offensive avec Delaney qui s'appuie sur le côté droit pour Schoen pour Kijauer. Libre de tout marquage. Le défenseur central de l'équipe du Danemark. Il fait relançant la passe de la poitrine, la passe instantanée, mais finalement il y a une très bonne couverture du défenseur australien Sainsbury qui a mis le ballon en touche. C'est pour lui rentrer touche pour l'équipe du Danemark, l'entraîneur de la sélection australienne de football. C'est un Néerlandais. La rentrée touche pour l'équipe du Danemark sur le ballon, c'est Beach. Il effectue cette rentrée touche. Anticipation des Australiens avec Jedinak. Alors, la surface de passe pour cette ouverture du score. Goal. L'ouverture du score pour la sélection du Danemark, mesdames et messieurs, c'est 1 pour les Danois, 0 pour l'Australie. Eriksen ouvre le score là pour l'équipe Danemark là. Oui. J'en ai dit tantôt, équipe Danemark là qui est très motivée, oui, qui connaît une victoire, un synonyme qualification, bien bonheur là dans le match de football là. Eriksen permet à l'équipe Danemark là de mener 1 goal à 0. Un petit peu en aile de pigeon, demi-volée, et puis du 209, Jorgensen, et puis qui a mis en orbite Eriksen, le ballon au fond des filets, la frappe sèche, une seule intention, coach Eliazar, non surface réparation, pas gain deux. Pas gain deux. Et c'est pour vous que l'équipe danoise, vous pressurez Australien depuis en bas, et puis vous recevez le ballon, et puis vous marquez. Voilà, donc c'est un. Pour le Danemark, mesdames et messieurs, 0 pour l'Australie. Belle entame de match pour le Danemark. Le ballon en avant pour l'équipe australienne. Attention, dans le camp, possibilité d'égalisation, danger à l'intervention de réparation. Mais qu'indique le directeur de jeu? Ce sera un corner pour les Australiens. Voilà.
Donc, yo déjà répondre équipe danoise là. Donc voilà, tu gagnes et l'anticipation du défenseur danois, ballon sorti, c'était le dossier 14 de cette équipe de football, en l'occurrence Dalagard. Le corner qui va être beauté pour l'Australie et l'arbitre espagnol. Je veux parler de Antonio Miguel Mateu Laos qui est en train de parler avec un joueur danois. Les Australiens, Jedinak, le capitaine, eh bien, Jedinak qui est en international de réparation. Il va y avoir beaucoup de mouvements. Il est sorti de l'arrière pour aller attaquer ballon 1 sur le corner. C'est le 213. C'est Moy, le 213, le coup de tête du défenseur, ce Kidjar, la deuxième balle pour l'équipe australienne de football, mesdames et messieurs. 1 pour le Danemark, 0 pour l'Australie. Le coup de tête à nouveau de Kidjar. Les Australiens récupèrent le ballon. Le coup de tête avec Jedinak. La passe de l'intérieur du pied droit. Il fait passer à destination de qui? Du 205 australien, en l'occurrence Milligan. Milligan contient de faire une passe en retrait pour le portier Ryan. Ryan qui s'appuie à nouveau sur Milligan maintenant, qui hérite du ballon. Le 205 défenseur et central gauche pour la sélection australienne. La passe, mais une mauvaise passe. Les Danois récupèrent, mais c'est pas pour longtemps. Les Australiens anticipent. Les Danois se battent finalement. Ils vont récupérer le ballon. Il arrive à se défaire du marquage, mais non, ce sera un coup franc puisque l'arbitre espagnol estime qu'il y a eu faute, la faute de Moy sur le joueur danois, et ce sera un coup franc pour l'équipe du Danemark. Le coup franc qui va être probablement botté par Eriksen. Le 210 danois, justement, c'est Eriksen sur notre petit écran qui va botter ce coup franc pour la sélection et du Danemark. C'est 1 pour le Danemark, 0 pour l'Australie. Le coup de tête en extension de Jorgensen, mais ça n'a pas marché. Le ballon qui est allé trouver facilement les bras du portier australien Ryan. Ryan qui est caught sur le côté gauche à destination de Beach. Beach pour Milligan. Milligan, il fait la passe en retrait. Attention, messieurs, la passe maintenant dans l'axe central de la défense. C'est toujours très dangereux. Heureusement pour les Australiens, il n'y avait pas eu de pressing. La passe pour le 219, en l'occurrence Wrightson, la passe de Wrightson, la déviation qui réussit, le contrôle de la passe de l'extérieur, mais finalement la combinaison entre rien qui réussit du côté des Danois. Mauvaise passe, les Australiens récupèrent avec Jedinak, la passe entre rien toujours sur le côté gauche de la défense et du Danemark, et finalement les Australiens qui conservent avec le 210, c'est Kroos en haut pour Jedinak qui s'appuie sur Moy pour et Sainsbury, la passe en avant, l'appel de balle dans le dos, il fait ce tracol là, dégagement de la défense du Danemark, le ballon qui va sortir en corner, c'est ce qu'indique l'arbitre assistant, ce sera un nouveau corner pour les Australiens. Équipe australienne, Dominique Charlie Teliaza qui veut jouer une égalisation. Un match qui est supposé très 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 ouvert puisque Australie dans la situation que l'île a le bagage choix, et perdu en deuxième match, vous l'avez dit que l'éliminer dans la compétition, il n'y a pas rien pour le perdre encore, et Tchatcho, là, il est obligé de jouer football, s'il veut égaliser, et pourquoi pas prendre avantage. L'équipe australienne, elle a joué le tout pour le tout, parce qu'il n'y a pas de choix, parce que 1-0, 2-0, c'est même pas là, c'est obligé qu'il sorte, il prend le match là, non, mais. En tout cas, nous ne sommes pas encore là, il est bon pour le spectacle, on va encore cette. C'est pas gars ça ou Tchatcho, les abdi joueurs football, game de position, ils viennent dans là, pas de contrôle encore, c'est bao. Pas de hésitation, c'est bao. Et puis ballon en goal, la joie d'Eriksen. Donc le 210 et du Danemark qui a ouvert le score pour cette équipe de football. Alors qu'on est Jean-Garien, c'est genre de avantage ça, équipe ça ou gagné. Parce que yon pas de pression Argentine gagné, yon pas de pression Brésil gagné, yon pas de pression Allemagne gagné. Avait dit yon gagné avantage ça. Yon gagné avantage ça parce que Jean nous dit, nous supposons ouais, un gros match de football matin là, puisque Danemark a joué pour le gagner, Australie a joué pour le gagner. Pour était en vie dans la compétition. Danemark déjà mené 1-0. Australie obligé de montrer grand jouet pour le capable d'égaliser. C'est ça, le ballon pour l'équipe du Danemark dans leur propre moitié de terrain, justement avec Kidjar la passe en profondeur à destination de Jorgensen qui a joué extrêmement bien jusqu'à présent pour l'équipe du Danemark en pivot, quel que soit côté ballonnier, puisque c'est avec Ongren que a joué là, en 4-2-3-1 a tourné sur ça tout à l'heure.
coach Eliazar, l'appel de balle dans le dos de la défense, il ne l'a pas vu et finalement les Danois conservent le ballon avec Christensen qui s'appuie sur Delaney, Christensen, qu'est-ce qu'il fait? Il trouve à nouveau le 219, en l'occurrence c'est Sean sur le côté droit, la passe cette année, anticipation de la défense australienne, la petite passe en avant, les Australiens vont au portable maintenant, il y a très bonne couverture, la présence de Keith Jarrer et le 204, le capitaine et libéraux de cette équipe de football. La rentrée touche effectuée par le 214 danois, en l'occurrence et Dalagard, la passe sur Keith Jarrer qui est contre pour Christensen, il trouve un pot et sur le côté gauche un partenaire, en l'occurrence Larsen pour Christensen qui conserve toujours le ballon, il s'appuie sur Keith Jarrer qui va traverser la ligne médiane, Keith Jarrer sur le côté droit, la passe de l'intérieur du pied gauche, mais c'est un Australien, le dégagement du joueur australien, mais à nouveau l'équipe du Danemark récupère avec Keith Jarrer, le capitaine de cette équipe de football, de l'intérieur du pied droit, il trouve en appui son partenaire, en l'occurrence et Christensen, la longue passe de Christensen, la moitié de la poitrine du 220 et Poulsen, la passe en avant, Jorgensen, il écarte, attention, mais au final c'est l'équipe australienne, il arrive à se défaire de fort belle manière du marquage de deux joueurs et danois, en l'occurrence l'équipe, la passe en avant, anticipation et de Rodic, mais mauvais contrôle de Nabart et le ballon est sorti, c'est pral, il rentre et touche pour l'équipe du Danemark, 1-0 pour les Danois. Mesdames et messieurs, nous sommes au stade Ormena et c'est le stade Samana Arena. Merci Dominique. La rentrée touche pour le Danemark. La rentrée est effectuée, mais finalement les Australiens s'emparent du ballon avec Sainsbury qui est en retrait pour son portier Ryan. Le pressing des Danois. Attention, le dégagement de Ryan sous la pression des joueurs danois. Finalement, l'équipe du Danemark, la combinaison en triangle qui réussit avec le 214 et danois. Et le ballon, c'est Dalagard. Dalagard pour Christensen. Christensen qui écarte sur Larsen, sur le côté gauche. Larsen, il trouve en soutien son partenaire Delaney. Qu'est-ce qu'il fait? Le crochet rentrant. L'if conservé là. Non, finalement, il perd le ballon. Et l'arbitre espagnol accorde un coup franc à l'avantage de l'équipe et du Danemark. La faute commise sur Sisto, le 223. Oui. Le 213 australien Moy. Et puis le 223 Sisto. Ou du côté du Danemark, c'est toujours 1-0. La roulée, justement dans le stade. Bon, c'est la fête. Joli stade, mais bien sûr. Ils ont venu supporter le pays, c'est vrai, mais c'est fêté, ils ont fêté. Ils ont en vacances, Tchatcho, ils ont venu fêter. Ils ont fêté quand même. Et le coup franc pour l'équipe du Danemark, Christensen est monté aux avant-postes. Et c'est Eriksen, le buteur du jour, qui va botter le coup franc pour le Danemark. Le coup franc botter, le coup de tête de Moy pour l'Australie. À nouveau du côté des Danois. Et c'est Jedina qui arrive à écarter le danger. Mais ce n'est pas pour longtemps. Puisque les hommes du Danemark récupèrent le ballon avec Sisto, le 223. Il trouve en soutien Christensen qui était retourné. Et en arrière, Christensen pour le 219. C'est Schroen sur Christensen. Christensen, l'équipe du Danemark conserve le ballon avec Keith Jarrer. Le 204, le capitaine du Danemark, mesdames et messieurs, 1 pour les Danois, 0 pour les Australiens. Kidjar qui héritait à nouveau du ballon. Là, il fait long passe en pile et ballon à nombre, ballon sorti. C'est pral, une remise au 5m50. Type de passe, ça fait pour la troisième fois. Coach Tchatcho que Kidjar fait sur le côté gauche. C'est à l'entraînement que Baïs au fait. Oui, ça c'est 7 plays. Vous avez dit c'est à l'entraînement que nous préparons et puis leur vient un match et puis appliquer. Dominique Fritian, c'est toujours 1 pour le Danemark, 0 pour l'Australie. Européen qui a mené un goal à 0 sur l'équipe australienne, c'est une nation qui est plus importante dans le dossier football pour le continent océanien. Australie qui a l'habitude de participer dans la phase finale de la Coupe du Monde grâce à Eriksen. L'équipe en Danemark a mené un goal à 0 et a cherché l'autre goal dans le match de football et a obtenu une réaction. Équipe australienne, Gasper Schmeichel, c'est petit Schmeichel, un gros portier là qui passait de présentation pour l'équipe
équipe Danemark là. Ballon a joué avec Simon Jair, c'est capitaine équipe et Danemark là, qui fait un passe pour Christensen. Christensen qui a possibilité pour remettre ballon à Simon Jair. Simon Jair qui a ballon, il fait passe en dentaire. Non, il préfère faire passe en retrait pour Christensen. Christensen, possibilité pour jouer en avant. Les joueurs dans le milieu de terrain. Il s'agit donc de Thomas et de l'année. Thomas fait passe là en avant. Il passe en avant, mais balle contre. C'est équipe australienne qui gagne ballon dans le moment que n'a parlé là. Il a cherché un monde en retrait. Il joue mon joueur donc en défense là. Et Mac Milligan. Mac Milligan qui ballon. Mac Milligan fait un passe pour Trenton et Sunbury. Sunbury balle au pied pour équipe australienne. Il fait un passe légèrement en retrait. Monsieur qui ballon là. La passe en retrait de Azil Belic. Azil Belic qui ballon à nouveau pour équipe australienne. Il fait passe dans le milieu de terrain. Il balle en avant. Est-ce que ballon ça prend le sauter en touche? Non, ballon pas sauter en touche. C'est donc Robin Cruz qui a ballon là. Il fait centre là, mais ballon contré. La défense équipe Danemark là. Il y a un coup de tête de Mac Milligan. Mais pour équipe australienne, c'est Australien qui a ballon. Il y a encore équipe danoise là. Il y a un passe de Cruz. La passe dans la surface de réparation. Mais donc, intervention du capitaine danois. Nous voulons parler de Simon Jair qui mettait ballon ça en corner. C'est deuxième corner que Australien yo bénéficié dans match en football ça. Réseau RTNH là a permis de vivre 64 matchs pendant phase finale Coupe du Monde ça. Non, habitat l'Ipad Bay corner là. C'était un 6 mètres. Ballon qui a joué avec Simon Jair. Simon Jair fait un passe pour Christensen. Christensen dans balle au pied. Il joue dans le terrain. James Larsen. Possibilité pour faire passe là en avant. Non, empêché par un joueur australien. Il est obligé de faire passe là en retrait pour capitaine yo, Simon Jair. Simon Jair joue dans Christensen. Christensen le ballon pour équipe et Danemark là. Christensen remet le ballon à capitaine Simon Jair. Simon Jair possibilité là pour faire passe là à James Larsen. James Larsen balance lui. Est-ce que c'est pour Eriksen? Mais c'est pour la défense australienne. Australien APC West a sorti là. La passe en avant. Est-ce que c'est pour Simon Jair, le capitaine danois? Balle récupérée par les Australiens. Attention, et ballon, ils font passe latéral. Mettez un pied au danois et quitter et toucher ballon. Oui, c'est bon, Dominique. Oui. C'est que l'équipe danoise, ça le fait lui-même. Il crime ballon derrière, tu passes à droite, tu passes à gauche, et puis il y a veillé brèche là, puis on fait lancement devant. Devant, donc en équipe australienne, la ballon qui est frappé, frappé dans le pied australien, c'est une remise, et au sommet de 54 pour le Danemark Dominique. 1-0, souffle que je nous sous Radio Télévision Nationale d'Haïti, 21e édition Coupe du Monde, ça, qui rend possible par plusieurs sponsors, la présidence Honda, ONA, et Track, Megavolt, oui. L'institution chrétienne d'Haïti, DGI, EDH, BNC, Eurocéram, Top Tires, Ofatma. Voilà. Yon relance qui t'est faite, ballon en sorti dehors. C'est pral yon 6 mètres pour équipe australienne. Alors faut que nous apprécions toute solidarité qui gagne en tant que technicien télévision nationale d'Haïti et technicien radio nationale pour permettre moun ki la kayo et vivre match en football ça au niveau radio nationale. Eh bien faut que nous saluons messieurs dans studio Delma 65 là. Raymond Jean-Louis, Game Saint-Joseph, Godfred, DT James, Sony Désira, José Duval et toute équipe là qui a travaillé pour rendre possible réussite Coupe du Monde ça. Alors Gary, en parlant de solidarité, bon bah qui fait au sein de sélection Danemark là, faut que nous disions pour autant de lits. Par exemple, Jonas Nobsen, eh bien monsieur c'est 11 joueurs équipe en Danemark là qui te gagne madame qui est enceinte, madame ni pral accouché, eh bien joueur football yo même entre yo là, yo mette ensemble, yo loué un jet privé pour monsieur Danemark pour l'accouchement madame ni. D'ailleurs c'est lundi il quitte Danemark, il retourne en Russie. Son bel plaisir, son gros bagage, et c'est ça où il est que fraternité mon ak moun, mon ak moun ap vive, c'est important. Moi même là moi mon ap vive ou pas ka partager ou pas ka ri ou pas ka
porter soutien avec un monde, c'est dans l'hypocrisie ou la vertu. Bon, même moi, fou. Mm. Parce que les gens, moi, ça belle, lorsque tu as j'en sais dit là tout à l'heure, mon c'est une équipe que nous y est, et puis madame est enceinte, donc chaque monde pour tes contributions, permet de jet et puis d'aller au chevet de madame. Ni. C'est vraiment c'est beau à voir. Tu as souhaité que pas beau ici tout, que nous suivons exemple ça yo, pour nous capables de comporter nous en l'autre façon. Parce que au final, Dominique Fritzer, le problème c'est la caille, c'est dans le cœur nous que le problème nous est. Oui. Allez, on continue. Un pour Danemark, 0 pour équipe australienne. Équipe australienne qui a multiplié par pour elle, c'était capable de jouer une égalisation. Ça, c'était un tir de Tom Odich qui passait à côté. C'est pour aller 6 mètres. Gasper cherche Machmel pour aller possibilité là pour mettre jouette là en vie. Et bien, Danemark, on a rappelé au Gassa Eriksen permettre y a mené un goal à 0 sur équipe australienne. 3 matchs pour journée là. Mm-hmm. En pile, je vais arriver là à partir de 2h. Argentine, Croatie. Bon, grand monde dans Kaila, dans le studio, depuis le matin, je suis venu à Café Noué et Gérald Escoufler. Et je n'ai pas partagé à l'auditeur, ça, Gérald, dit non à tes spectateurs. On nous allait, Dominique. Voilà, dégagement de Gasper Schmachel pour l'équipe australienne. Il y a un coup de tête manqué de Eric et Dalgard pour l'équipe et Danemark. Là. C'est Danois qui a un ballon dans l'équipe australienne. Ils font passe à latéral. Attention, on a besoin de sentir ça et empêcher. Pas un joueur australien, on dit que gain la chore t'es obligé de faire passer là en retrait pour Christensen. Christensen fait passer là en avant, la passant dans le trou pour Eriksen. Eriksen fait passer là, une passe latérale et pour Jens Larsen. Larsen, oh! C'est Jorgensen. Et regardez centre là, coach Eliazar, regardez tirer pied droite là. Ou même qui t'a joué football, là ouais ça, ou même ça dit. Ou. Elle veut dire là ouais ça, il voulait sa banane. Je mets ton banane dans le ballon. Il fait le même parce que l'intérieur prend forme là et puis Jorgensen paraît à l'affût et bon ancien joueur FICA et Goldman avec Ousmane Désir. Ousmane Désir fait ça là puis Goldman mettait boule là dedans. Et il était compère d'un côté gain latéral droit ici non. Attention Gary en suraction ça, ballon plein sur pas de réparation, danger pour équipe australienne non mais danger conjuré, yo a sorti très bien là, yo balancé lui en avant. Oui, Jean Gary. Oui, nous t'avons dit que Jobel Skader tout est qu'on fait au pas bon ici. Et Jean-Jo Matuelier, il n'y a pas qu'on fait le consomme, il a campé le ballon et puis il a filmé l'intérieur. En gros, Tchaman, tu es qu'on fait bien, mais l'intérieur, moi, il n'y a pas de premier poteau à bâton. Voilà, donc même pour une fois, c'était dans mi-temps. Nous allons Dominique. Attaque, bon côté équipe australienne avec Joshua Rizdon. Attention, c'est moi qui a le ballon là. Moi, il fait passe là. Et dans le terrain là, monsieur a monté le ballon au pied, c'est Cruz. Cruz a le ballon, non, de préférence, il s'agit de Trent Berry. Berry fait passe à Brookers, passe en retrait, ballon australien. Il y a une équipe et Danemark là. Il joue avec Aaron Moy. Aaron Moy remet un ballon, ligue ballon à nouveau. Aaron Moy fait passe en retrait. Possibilité là pour jouer en retrait net sous Macan Milligan. Macan Milligan fait une passe latérale. Monsieur a sorti très bien là. Ballon en mi-temps terrain. C'est Australien qui gagne. Yon passe latérale pour jouer avec qui il s'agit donc de Azil Belic. Azil Belic lui fait centre là, mais coup de tête du capitaine danois, danger à la pour équipe et Danemark là. Attention, coup de tête pour retirer danger à la pour équipe Danemark là. Son ballon qui va le sortir en touche pour équipe australienne. Et Charlie Telaza, Australie a mis des pressions. J'avais dit que Australie obligé de mettre des pressions parce que match là, il y a un 1-0 sous lui et équipe danoise a fait baisser. On t'y baisse du régime parce que l'équipe Osalena a mis action sous lui pour l'essayer de l'égaliser. Un ballon qui a joué dans camp équipe Australienne avec Mathieu Ryan. Mathieu Ryan joue dans Macan Milligan. Il remet un ballon à Mathieu Ryan. Mathieu Ryan joue Azil Belic. Azil Belic a sorti ballon au pied pour équipe australienne. Azil Belic passe latéral. Ballon toujours australien. Il y a possibilité là pour faire passe en retrait. Attention, Ryan Bralgain là. Il n'y a pas qu'à prendre la main du pied. Il font un long dégagement. Est-ce que le dégagement ça pral jouer dans tête de un joueur danois? C'est Danemark qui gagne ballon dans le moment que n'a pas parlé là.
Attention, tacle de Aaron Moy. Aaron Moy fait passe ça là. Et pour qu'il s'aille de course, Cousin balancé. Attention, ballon à l'entrée de la réparation avec l'équipe. L'équipe ballon, l'équipe a fixé. Et Simon Jair, capitaine d'équipe et Danemark là. L'arrivée vers centre là. Mais c'est Christensen. Calme tes ballons ça. En touche. Touche. Ouais, c'est Christensen. Avec un rage, il dégage le ballon. Oui, pas de plaisanterie là-dedans. Pas de plaisanterie parce que 1-0, avait dit que les qualifications, il faut qu'ils prennent. Il est obligé à rage. Dégage ballon. Dégage. Ballon à jouer là avec Mac Milligan qui s'est mettre défense en équipe australienne. Ballon récupéré par les Danois. C'est Mac Milligan à nouveau qui fait ballon pour équipe australienne. Ils font passe en retrait net pour gardien Lee qui est cinquième défenseur. Chacho, nous voulons parler de Ryan et Mathieu Ryan. L'été joue avec Trent Zoubery. Berry joue donc Azil Belich joué en retrait pour Mac Milligan en ballon. Au pied, la passe au niveau de Reterrain. Ballon toujours pour équipe australienne. Possibilité pour faire passer en retrait là pour Portier là. Attention, il joue avec Mac Milligan. Pas bien que RTNH a fait des heureux puisque un pile monde déjà gagné là. Non, jouette qui démarre, ça fait quelques jours là sous antenne radio et télévision nationale d'Haïti. Et pas oublier dossier base là puisque un pile base qui déjà inscrit là. Base Bambi Bel, c'est comme ça slogan, Bas Bambi Bel. 100 000 gouttes. La boule. 100 000 gouttes. Si Bazo a Pibel, c'est vous-même qui prenez 100 000 gouttes. La boule. En parlant de base, nous saluons une équipe là qui zone au Caille, qui zone Bejo dans Rue 4 là. C'est Mataoun New Concept. Eh bien, base ça, eh bien, yo dit nous, yo branché sous direction Yves Gerdi Paul. Alors, Mataoun New Concept, eh bien, venez inscrire Bazo. Sous senti Bazou Pibel, ou après 100 000 gouttes, Yves Gerdi Paul, c'est monsieur qui n'a tête en bazar, Mataoun New Concept, qui n'a département sud pays, c'est du côté de Berjo, dans Rue 4, Gary, qu'on côté ma palais, puisque monsieur Nego Kai. Attends, t'es que c'est fondé Nego Rivé? Ça va dire ce que tu Moi, c'est haïtien. Moi, c'est haïtien. Moi, contre tout pays. Moi, Jacques Mel. Moi, Jérémy. Moi, Okaï. Moi, Okap haïtien. Moi, des dunes. En parlant des dunes, je vais saluer Marc-André Odigé, puisque monsieur, c'est nec des dunes. Ballon à jouer là avec équipe australienne. Balle perdue. C'est Danois qui t'a récupéré là. Mais intervention en défense, équipe australienne. Aaron Moy, t'es gagné ballon. Belle sortie de attention, il a sorti très bien là. Attention, ballon cap joue avec. Et Medinak qui est capitaine de l'équipe australienne. Monsieur déjà marqué 3 goals pour la sélection. Ça a déjà Nabrablo face à la France. C'est monsieur qui t'a marqué en 2010. Il t'a marqué face à l'équipe Serbia. Il t'a marqué contre Japon tout. Et dans la Coupe du Monde, ballon à jouer avec Mac Milligan. Milligan qui fait une passe. Il y a encore équipe et Danemark là. Possibilité pour faire passe là en temps. Mais on dit que défense équipe danoise là. Il est replié là. Est-ce que. Et l'équipe bon sans arrêter possibilité de réalisation. Attention, Aaron Moy, action pour qu'on finisse. Mais il y a là toujours possibilité là pour nous centre. Ballon pour jouer avec Azil Belich et qui joue rapidement. Et Tom Odich qui joue Aaron Moy qui ballon pour équipe australienne. Ballon en mi-temps terrain. Il y a multiplié passe. C'est capitaine Nana Medinak qui te gagne ballon là. Il font passe. Il fait passe là en retrait. Attention, ou senti équipe australienne vle égalisé. Aaron Moy le ballon pour équipe australienne. Il balance le ballon en boîte là. Qui ça cap gain là? Est-ce que défense équipe danoise là par le biais de et Pionier Sisto gain ballon là. Pionier Sisto bon dribble de conservation. Pionier Sisto arrivé dégagé là ballon en mi-temps terrain. Il a contrôlé par australien yo. Jean nous dit là c'est un pays important pour continent océanien dans affaire football. Ballon abjoué avec Aaron Moy gagne ballon pour équipe australienne. Li font passe pour yon compel en défense là. Attention déviation, danger pour équipe danoise là. Mais danger conjuré, monsieur Absoti là, gagne un australien qui a été là où senti Tchatcho. Équipe australienne vle égaliser. Équipe australienne vle égaliser, mais équipe danoise même yon campé. Il y a un grand pénal, il y a un grand
équipe de Chaline Vini pour repérer en contre-attaque. Et l'autre encore, et tout à l'heure, et entraîneur Charlie Téléazar, sous 100 sacs sur le fait, non, pas qu'à gain double contrôle encore. C'est ça, les contrôle là, c'est bao. De nez comme Johnny Descollines, de Wilson Chevalier, balance à premier poteau longtemps. Donc, ce qui sous-entend, à l'intérieur, jeune footballeur, à l'intérieur d'une surface de réparation, il y a de position que vous jouez un ballon, dès pour une possibilité, c'est bao pour chercher filet. Et c'est ça qui veut, à l'entraînement, nous faire des touche de balle. Dans la carrière, nous faisons une touche de balle. Voilà. C'est extrêmement important. C'est extrêmement important et c'est ça qui fait les joueurs ont rapidité de capacité. L'avait dit que l'aile qui vient dans la carrière, c'est one touch, bow. Voilà. Donc moi, mais ça, one touch et puis bow. Nous partons là pour 32 minutes dans la première mi-temps. Jean Garien, Danois Ogassa, Eriksen permettent Danemark à mener Yungola 0 sur Australie. Voilà, c'est toujours 1 pour le Danemark. L'Australie est menée, mesdames et messieurs, 1-0. Merci à Hilaire qui nous écoute du côté de Martissant et des Pouets, monsieur Sadou. L'abtent de nos Martissants, c'est toute zone. Ballon là pour l'équipe du Danemark. C'est sur le côté gauche avec Larsen. Larsen pris au marquage pour un joueur australien. Là, le ballon toujours pour le Danemark avec le capitaine Kidjar. Kidjar pour Schoen. Le 219, l'appel de ballon profondeur de Jorgensen qui move en pile et dans camp équipe australienne. Attention, Jorgensen, mais il était en position avancée. Et c'est Milligan qui était sur le joueur du Danemark. Ce sera un coup, une rentrée touche. C'est Dalsgaard qui s'apprête à effectuer cette rentrée touche pour le Danemark, mesdames et messieurs. Donc, quelques soucis techniques. Attention, le ballon récupéré pour l'Australie avec Moy. Moy à longue enjambée. Ça devrait influencer l'équipe, le 207. Il arrive à conserver le ballon, le fait dribble conservation Kounia. Il fait passe en retrait avec intérieur, pied droit. Mais monsieur, utilise l'intérieur, pied droit, en pile. Ballon là, sur le côté droit, justement, pour l'équipe australienne. Avec Raitson pour Milligan, Milligan pour Jedinak, Jedinak, la passe en hauteur de Jedinak pour Milligan, Jedinak, Milligan qui conserve. Il est quand sur le côté droit pour la sélection australienne. Attention, la passe en profondeur sur le côté droit, mais anticipation du joueur danois. Ballon sorti, rentrée touche pour l'Australie, mesdames et messieurs. Un pour le Danemark, 0 pour l'Australie. L'entrée touche effectuée par Raitson, le ballon ne sort pas. Anticipation avec qui? Avec Nagbot. Botte à faute, l'arbitre fait signe de continuer. Le ballon est pour le Danemark avec Sisto, la petite passe en hauteur de Sisto, la longue passe maintenant, l'amorti de la poitrine, le coup tête raté d'Eriksen, il était en déséquilibre. Attention, Jedinak récupère le ballon, les Australiens qui vont repartir maintenant à l'offensive dans le camp danois. L'appel de bas sur le côté droit, c'est ça où il est, appel de bas, ceinturon là, il fait centre dans le ballon contré. Alors que le monde fait appel de ballon, c'est les créer le créer espace, et coach Eliazar. Non seulement il crée ce passage pour l'aller, mais il a un avantage tout pour essayer de faire ça. Là. Et c'est ça qu'il a essayé de faire là, et lui, il a bloqué. Et ça fait que, toujours dit en football, des fois, ce n'est pas le monde qui a un ballon qui est important, mais le monde qui n'a pas un ballon qui a créé espace pour l'autre. Il crée cet espace, et puis c'est ça qui est le jeu sans ballon. Voilà. Merci, coach Eliazar. Le coup, le corner beauté par Moy, le 213. Le coup de tête australien, attention. Mais la sortie de Schmachel. Le portier danois. Il a demandé main. Oui, il a réclamé main, mais ce n'est pas ça, pas de pénalty. Selon l'arbitre espagnol Antonio Miguel Mateu Laos. L'arbitre espagnol, la passe en retrait pour le portier australien Ryan. L'amorti de la récupération de l'intérieur et au moins au nom pour que ça. Il a demandé arbitrage vidéo. Arbitrage vidéo. Ce que je dit à leur coach Eliazar, il semblait qu'il y ait un joueur australien qui réclamait. Qui réclamait et donc pénalty. On va voir. L'arbitre va consulter la vidéo. Il va repasser l'image dans le corner là, pour voir est-ce que tu as une main. En dehors de FIFA, qui sont une bonne instance. Bon, l'autre instance qui est dans le football là-bas, il est VAR. Oui, il est VAR. Oui. Une journée boule chargée. 11 France en Pérou. 2-0 Argentine, Croatie. Et il est. Attention, pénal. Pénal. Pénalty. Pénal.
Pénalty pour l'Australie et carton jaune. Pour le numéro 20. Oui, le numéro 20 de la sélection australienne de football. Non, et le numéro 20 du Danemark. De la sélection danoise. Danemark. Oui. C'est Youssouf Poulsen. Poulsen. Oui. T'es gagné vraiment. Oui. T'es gagné, t'es gagné. Alors, et grand pile. Et pénalty pour la joie et des fans australiens. Oui, possibilité pour retourner dans le match. Poulsen, Jurari Poulsen, c'est lui qui avait commis la faute. Et alors, ça a joué, non, monsieur. Jean-René Abdi Tchatcho. Oui, Chalit Eliaza Tchatcho, mais monsieur René Youssouf Poulsen. Donc, alias Jurari pour les intimes. Voilà. Possibilité pour Australie de retourner dans le match. Retourner dans le match. Et vous avez cherché. Et vous avez cherché, vous jouez ni, et vous méritez tout. Parce que depuis le, je te donne raison, Charlie Téliazar, puisque depuis le et Danemark ouvre Skoa, il n'y a pas réellement attaqué l'équipe. Il y a plus, j'en t'ai dit tout à l'heure, à opérer en contre-attaque. Et c'est Jedinak, le barbu. Oui, c'est monsieur qui est en question goal. C'est monsieur qui met à penser l'équipe ça. Mm-hmm. Donc Jedinak, c'est lui-même qui dégalisé. C'était face à la France. Maintenant qu'on a, c'est lui-même tout qui est sous ballon là pour l'équipe australienne face au portier Schmeichel. Mm-hmm. On va voir ce que ça va donner. Schmeichel. Si les riches papa Liga Rimbello. Jedinak. Attention à contre-pied. Son goal Ona. Oui, son goal Megavolt, son goal A-Track, son goal DGI, son goal EDH, BNC, Euroceram, Top Towers, Ofatma et puis la présidence qui fait des heureux et Dominique. Oui, la présidence qui a commencé et l'a continué à faire des heureux. Mm-hmm. En pile surprise d'ailleurs toujours. Bravo. En pile, en pile. Ah bon, information. Monsieur, aucun intérêt. Pas oublié, DJ Gamal. Oui, important. Important. Très important. Aucun intérêt rester sur réseau. Et RTNH. Aucune information, pas la grande puissance. Mm-hmm. En attendant, c'est un partout. L'Australie qui a remis les pendules à l'heure. Un pour l'Australie, un pour le Danemark. Et côté. C'est pour me dire, on ne sait pas qui est là. Il va le même genre. Ça veut dire que Best Dirige, je ne vais pas le faire. On va le voir, c'est Danemark qui a attaqué. Parfait. Merci, coach Eliazar. Le ballon en retrait pour le portier danois Schmeichel. Le dégagement et le coup de tête de Jedinak, le buteur pour l'Australie. Attention, la récupération de l'intérieur du pied droit avec Sisto. Le pressing qui s'est révélé payant. L'Australie à l'offensive. Attention, les Australiens. Le centre, possibilité de second but, mais non. Moya a raté le ballon et c'était knockout. On voit le centre de l'intérieur du pied droit. Monsieur allait pour le faire L de pigeon, mais il était en pleine course. Mais il faut le reconnaître aussi, il était en déséquilibre. Le dossard 7, l'équipe pour l'équipe australienne de football. N'a pas regardé toujours dans Moya Kounia. Il mettait deux mains au derrière de lui à l'intérieur de la surface de l'épaisseur. Parce que et chaque boule est de l'eau chaude, il y a de l'eau fatigue. Du coup, oui. Ballon là pour l'équipe du Danemark, Jorgensen, qui n'arrive pas à se défaire du marquage de Milligan, le défenseur central, le 205 de l'équipe australienne. La passe de Eriksen et l'attention de Jorgensen qui n'y arrive pas, mais il y a eu faute. Oui, faute et une bousculade sur Eriksen. Il a été retenu par le maillot, par le joueur australien, en l'occurrence Beich. Ça sont des bagages que moi-même à Gilles Belliste quand la boumé pour fin de jambe. Ça veut dire que si c'est moi qui fais fin de jambe, t'as pleuvé d'être même d'être dit mon devant. C'est Mac Milligan, le capitaine australien qui a commis la faute. N'a suivi coup franc ça, m'a posé une question tout à l'heure. Le coup franc qui sera botté par Eriksen et le 210, joueur de Tottenham. Un coup franc excentré. Oui. Et Sandro Marcel, où sont Sandro Marcel qui conduit dans les blancs. Oui. Et qui était conduit pour faire ça. Oui. Attention le corner, attention. Parce qu'il y a du scombi, mais non. De peu sera été le deuxième but pour l'équipe du Danemark. Si tu as pas le gros goal. N'était la vigilance du portier australien Ryan
puisque ballon allait frapper dans pied joueur australien n'a suivre là et puis là il a bonne il était sur le coup, il surveillait le ballon, donc il était concentré et comme l'aurait dit Mauro Leone, et puis il fait explosion le kembe ballon. Eh ben il est sa ballon stade. Oui, j'aime je suis des ballons. Je suis des ballons pour mater devant gardien. Oui, oui, n'importe qui pied, effectivement. Qui pied frappé, il est sa ballon stade. Voilà. Merci. Reprenez encore pour le public. Ballon stade. Là, attention, le ballon qui est sorti, rentré de touche pour le Danemark avec le 214 Dalagard qui s'apprête à effectuer cette rentrée de touche. Et Dalagard est pour la rentrée de touche pour le Danemark. Il attend un soutien. Qu'est-ce qu'il fait? Et Dalagard, le 214. Il trouve en soutien Sisto, le centre en retrait, la longue passe, le coup de tête, mais dans les bras du portier Ryan qui faisait bonne garde tout à l'heure suite à ce coup franc beauté de l'intérieur du pied droit par Eriksen. Et type de coup franc ça, coach Elias Assot Abdil, Yorele. Ballon stade. C'est ça, parce que n'importe pied qui a mis. N'importe pied qui a été Kelly et puis. Il mettait là-dedans. Et justement, ouais, c'est un défenseur australien qui manquait mettre ballon dans l'équipe. Voilà. Donc c'est toujours un but partout, mesdames et messieurs, entre Australiens et Danois. Le coup franc qui va être botté par Moy. Jedinak est monté à l'intérieur de la surface de réparation, histoire de porter le danger. Donc coup franc pour l'Australie, c'est Moy qui prend le botté coup franc. On va voir ce que ça va donner. Et entre-temps, c'est deux mondes qui n'ont mis équipe Danemark là, l'équipe lui aussi est à l'intérieur de la surface de réparation et puis il va envahir le coup franc beauté, mais le ballon qui n'a pas trouvé preneur, sauf oui, le ballon n'est pas sorti. Le joueur australien arrive à centrer, le coup de tête de Kidjar, l'anticipation avec Eriksen, la passe en avant, mais le ballon pral sorti et c'est pour une rentrée touche pour l'Australie. L'entrée touche effectuée avec qui? Avec Milligan pour Jedinak, il est coach sur le côté gauche avec Beich, contraint de faire une passe en retrait sur Milligan pour Salisbury, encore une fois, il s'appuie sur Moy, non, c'est Jedinak, le capitaine de l'équipe australienne, l'homme à tout faire au sein de cette équipe de football, et le ballon qui sort, et ce sera, on voit ce coup franc, beauté, par le joueur australien, ballon sorti, il pas sorti, et puis là, le centre en retrait, et le dégagement du défenseur danois, ballon sorti, c'est pas loin, très touche. Coach Eliazor, il dit centre en retrait, c'est l'homme fatal en football. Bon, et c'est pour dire un gros coup de chapeau pour DG Gamal qui a fait un gros travail et avec nous et sous RTNH. La radio-télévision nationale d'Haïti. Voilà. Et puis, Dominique Christian, ça repart. Le ballon pour l'équipe australienne. La passe à destination de qui? À destination de Nagbot. Mais ça ne donne rien. C'est le portier Smichel qui est sorti de sa cage pour récupérer le ballon. C'est un but partout entre les deux équipes, mesdames et messieurs. Nous nous approchons de la fin de cette première période. Un pour le Danemark, 0-1 pour l'Australie. Ballon avec Kidjar qui s'appuie sur Christensen pour Poulsen, l'équipe du Danemark à l'offensive. Le ballon pour Christensen, le 206, libre de tout marquage. Il est cote sur Kidjar, le 204 danois. Par contre, combien de fois il se fait passer, il affectionne le jeu court et le jeu long. Kidjar, le 204 du Danemark, à plusieurs reprises pendant seulement première période-là, il se fait 6 longues passes, 6 relances comme ça, donc à destination des partenaires de la ligne offensive côté son 7 plays que vous faites à l'entraînement et vous balancez la droite, vous balancez la gauche et puis oui, pour aller directement droit au but. Entre temps, c'est l'Australie qui va repartir à l'offensive. L'Australie l'a appelé les cartes sur le côté droit à l'entrée et de la surface de réparation. Maintenant, sur le côté droit, le centre, le dégagement de Christensen pour le Danemark. À nouveau, c'est Sisto très remuant, ce Sisto, le 223, la passe pour le Danemark, le coup de tête, mais ballon, est-ce que lui, il fait passer en retrait pour le portier? C'est Ryan, il fait pas ça en dedans, très osé, puisque
pas de pressing assez, mais si tu as un pressing, il y a un problème puisque dans la zone ça, zone de prédilection ça, dans zone d'élaboration, zone dangereuse. C'est zone dangereuse. Et finalement, ballon joué pour l'équipe du Danemark avec qui? Avec Christensen. Christensen qui est quand sur Kijar pour Schroen. Il est quand sur Dalagard pour Kijar. Il calme le jeu. Les Danois, et maintenant sur le côté gauche avec Christensen, encore une fois qui s'appuie sur Schroen qui tourne sur lui-même. Il trouve un appui, son capitaine, en l'occurrence Kijar, l'appel de balle dans le dos. Il ne l'a pas vu, il refuse de faire relance. Ça n'a pas fait une énième relance que le fait au cours de première période là, pour l'équipe du Danemark. C'est le portier Schmeichel, le dégagement de Schmeichel, le portier du Danemark, le coup de tête de Poulsen. À nouveau, c'est les Australiens et le dégagement catastrophe de la défense australienne avec l'équipe qui tente de s'infiltrer à l'intérieur de la défense du Danemark. L'équipe, justement, il garde le ballon, mais les défenseurs à côté le Vléa. Finalement, lui retourne le cuir. L'équipe, est-ce que la fait passer en retrait? Oui, puisqu'il y avait une pression sur le joueur. À l'instant même. Oui, et séance tenante, c'est la fin de cette première période qui s'achève, mesdames et messieurs, sur le score d'un but partout entre les deux équipes. D'abord, c'est l'équipe du Danemark qui était ouvri score par Eriksen. Une belle frappe à l'intérieur de la surface de réparation après une remise de l'extérieur du pied droit et de Jorgensen. Mais Eriksen avait ouvert le score pour l'équipe du Danemark. Alors, notez pensé que Danemark n'a pas insisté, n'a pas pesé sur l'accélérateur, mais ce n'était pas le cas. L'équipe du Danemark a ralenti, a baissé en régime, et puis l'Australie est montée lui aussi. Et puis, cette équipe australienne a égalisé sur pénalty. Et là, c'est grâce à l'arbitrage vidéo, puisqu'il y avait un jeu de main de Poulsen. Donc, c'est un but partout entre les deux équipes. Deuxième période, là, pour l'annoncer intéressante, puisque l'enjeu dans cette rencontre, c'est quoi, mesdames et messieurs? Le Danemark, en cas de victoire, l'a assuré pour le qualifier pour les huitièmes de finale. L'Australie ne l'entend pas de cette oreille. Australien autour même me dit m'gain causé pam pour me dit tout si m'calé et bien m'a envie dans compétition. Donc c'est extrêmement important. N'a pas retourné après la pause pour d'autres commentaires autour de cette rencontre Danemark Australie, un but partout encore une fois entre les deux équipes. Restez branchés, mesdames et messieurs.